Bonsoir mes amis Verseau, voici votre tirage pour ce mois donc de février. Un peu tardif, j'en conviens et je m'excuse. Nous allons être pour votre tirage de février. Bien sûr, ce tirage ne correspondra pas à tous les Verseau. Donc vous allez prendre ce qui vous convient ou pas. C'est pour votre ascendant, aussi votre signe lunaire. Donc voilà, si vous êtes Verseau dans le signe de la Lune, ça sera peut-être, ça vous rapportera. Si ce message ou si les messages que je vous délivre ne correspondaient pas, allez voir votre ascendant, peut-être que celui-ci vous amènera quelques précisions complémentaires. Nous sommes entourés aujourd'hui et pour l'ensemble des jeux que j'ai donc fait. Malaguite, lapis-lazuli, œil de tigre, de chalcédoine, la turquoise et une autre pierre que voici. Et je vais vous te faire deviner c'est quoi comme minéral. Voilà, c'est une pierre qui est verte et c'est une pierre semi-précieuse, voilà, voire précieuse. À vous de me dire dans les commentaires. À quoi correspond cette pierre qui va être donc l'élément central pour ce tirage pour vous les Verseaux et pour les ascendants Verseaux et signes lunaires. On démarre avec la triade. Qui me dit, qui me raconte quoi? Qui me dit qu'effectivement il y a un côté financier sur les Verseaux pour ce mois donc de février. C'est un signe aussi qui est très entouré, qui aime le matériel et l'argent. C'est une personnalité aussi qui est très entourée, ou par des hommes ou des femmes, mais c'est une personnalité qui est très 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 entourée. Donc petit ami, voilà. Une personnalité en tout cas où on peut avoir des aventures aussi, mais en général, c'est des personnes qui aiment évoluer à travers du monde et autour d'eux, il y a beaucoup de monde aussi. Mais il y a le côté financier. Donc c'est des personnalités qui aiment quand même l'argent, le côté matériel, qui aiment toujours être à la pointe. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de richesses qui leur amènent sur ce mois de février. Nous serons aussi dans le choix, dans l'hésitation et l'incertitude. Et visiblement, il y a quand même des Verseaux qui attendent peut-être des arrivées d'argent ou peut-être le versement d'une prime, voire peut-être d'une augmentation de salaire, puisqu'on dit que le Verseau est dans l'attente quand même de quelque chose, visiblement peut-être une demande qui a été formulée, ou peut-être c'est une personne aussi qui attend que ça soit l'autre qui le dise, c'est-à-dire peut-être le patron ou une personne à côté de lui qui lui amènerait ce côté peut-être supplément matériel. En tout cas, ils attendent une réponse. De notre côté. Effectivement, donc voilà, donc on attend peut-être une décision concernant un prêt, puisqu'on dit que c'est dans les tuyaux. Effectivement, il y a le côté étranger, il y a le côté peut-être proposition de travail à l'étranger, mais on dit aussi qu'il y a peut-être cette notion de voyage et que le voyage visiblement peut coûter un peu cher et que peut-être on demande à une personne de nous avancer l'argent pour ce voyage. Ou ce qu'on demande à ce que ça soit le compagnon ou la compagne qui paye. Voilà. En tout cas, c'est un beau voyage, peut-être une lune de miel, quelque chose qui s'augure. Mais en attendant, il y a une relation avec l'étranger. Voilà. Donc, c'est une notion quand même de couple dont il s'agit, hein. Donc, on parle bien de cette notion de couple là. Toujours ma petite pierre mystérieuse. Alors, c'est quoi ça? Voilà. On parle de couple, donc effectivement, départ au couple, l'accomplissement, pour moi, peut-être la nouvelle rencontre, mais on dit que c'est vous quand même qui êtes force de proposition pour partir à la découverte visiblement de notre pays. Voilà, donc on est en demande, hein. Donc visiblement, il y a peut-être des Verseaux qui souhaitent travailler à l'étranger et ils sont en attente visiblement de cette réponse et peut-être que ça englobe aussi. La vie à deux. Voilà, en tout cas, une autre personne à côté. Donc, on se demande si la personne, le conjoint, pourra venir avec vous lors de ce déplacement sur ce mois de février. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Alors, visiblement, on dit qu'on est dans le mensonge.
Donc peut-être qu'en ce moment, les Verseaux sont en train de fulminer, de dire certaines choses, même, voilà, au niveau du cœur. Donc peut-être il y a des Verseaux qui vivent en concubinage, mais on est quand même dans les mensonges. Attention aux couples qui se trompent. Attention, attention, parce que là, ça peut marquer mal. Bon, voilà, voyez. Donc de toute façon, dans l'affectif, on est d'accord, ce sont des personnes où il y a d'autres personnes sentimentales qui gravitent autour d'eux. Donc, je ne peux pas dire que ce soit des relations quand même. Actuellement, voilà, on a toujours peur que le côté cœur, là, pour les Verseaux, très sensibles. En tout cas, on vit dans un concubinage qui est faussé, puisqu'apparemment, on vit en concubinage, soit parce que l'amour, à un moment donné, y était, mais il n'y est plus, et que là, ben, on vit ensemble par intérêt, hein, parce que peut-être la personne, elle est riche, ou il y a le matériel, ou elle connaît du monde, voilà. Mais il y a une cohabitation, et il y a un côté physique aussi. Donc, c'est pas par le physique que la personne, elle tient le Verseau, hein. En tout cas, là, voilà, vous voyez, le Verseau, il aime Pierre, il aime se, voilà, bien s'habiller, mais attention, en ce moment, on est un petit peu dans la tentation, les Verseaux. Attention, attention. Ouais, ben oui, dans la tentation, et par écran interposé, on aime plaire. Donc, pour moi, il y a des Verseaux qui sont dans une relation extra-conjugale, voire dans la tromperie. Voilà. Et peut-être même, il y a des Verseaux qui vont avoir des contrats dans le secteur du cinéma, de l'artistique, de la chanson. Ils vivront à deux. Mais pour moi, il y a une signature qui se fait dans le spectacle. Ensuite, on dit que si on vit quand même sous le même toit, il y a un côté quand même très, très indépendant par rapport à la vie à deux. Donc, attention qu'il y ait... Alors, peut-être il y a le... Ah oui, on dit quand même qu'il y a de la construction. Il y a une construction. On est en train de faire des peintures, des tapisseries dans un bâtiment et on veut le faire à deux. On dit aussi... La personne avec qui vit le Verseau est plus jeune qu'elle ou que lui. Donc actuellement, on est dans une relation où un peu chacun de son côté pour certains Verseaux. Ah, Scorpion, signe d'eau. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson et ça saute. La carte qui a sauté est la carte de la réussite. Donc actuellement, on essaye de réfléchir en comment on peut réussir, peut-être par un diplôme ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une augmentation. Donc, comment peut-être un changement de grade ou d'un concours pour certains Verseaux qui travaillent peut-être dans le secteur. Comme je vous ai dit, on s'enferme pour moi dans un bureau ou dans une structure qui encadre. Je sais pas, hôpital, infirmerie, quelque chose, mais pour moi, on est enfermé. Il y a une certaine solitude. Alors, il y a un projet pour moi d'achat. D'achat, et il y a une concrétisation. Et comme j'ai dit, peut-être il y aura des peintures, des tapisseries à refaire. En tout cas, on dit que peut-être il y a des Verseaux qui vont s'engager avec une personne qui a de l'embonpoint. Voilà. Il y a une notion de vieux jeu hein, dans cette relation. On est sur certaines valeurs. Donc, on doit faire les choses comme on doit les faire. Pour moi, il y a des problèmes là au niveau des articulations. Donc, attention Verseau, si vous ne pas vous blesser. On dit qu'à aller faire certains Verseaux, surtout un homme qui est allé voir ailleurs. Alors, attention pour les relations flammes jumelles ou de même sexe. Voilà. Enfin, en attendant, moi, ce que je dis, c'est que il y a des relations. Voilà. Ou ça va quand même se séparer parce qu'il y a une tromperie. Alors, ça, c'était le triade. On va voir ce qu'il en est maintenant avant que le soleil ne décroît trop vite. Ce qu'on a par rapport à vous. Est-ce que peut-être je peux mettre la lumière? Est-ce que je peux mettre la lumière? Ça, je ne peux pas le mettre là. Alors, voilà. Alors, le message, il est tel quel. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, les Verseaux en ce moment, toujours avec le jeu de cette petite minérale, dites-moi ce que c'est. Voilà. Allez. Bon, ben, laissez votre ex partir. Hein.
Ah, pour moi, il y a des Verseaux, là, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie, laisser votre ex partir. Eh bien, Terre, hein, tu m'étonnes. Aimez-vous d'abord. Donc, il y a des Verseaux qui ont besoin quand même de se respecter par rapport à votre relation. Donc, il y a une relation dans laquelle vous êtes trompé visiblement peut-être par l'autre. Hein. Donc, voilà, pour moi, c'est une relation peut-être qui a mal démarré. Et là, vous avez besoin franchement de voir les choses un peu plus claires. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Bon, relation dans le travail. Donc, pour moi, il y a une autre relation. En tout cas, on doit y travailler. On doit travailler sur la relation. Et il y a du mouvement par rapport à elle. Ah, il y a des Verseaux qui ont une relation dans le travail, c'est fini. Mais ils continuent à être amis avec cette relation dans le travail. Hein. Donc, attention, aïe, aïe, aïe. Hein. Bon, aimez-vous d'abord. Hein. C'est le cadeau pour vous, hein, de vous aimer d'abord là. Bon, je crois que les Verseaux sont un peu égoïstes aussi. C'est vous d'abord, hein, ça c'est clair. Aimez-vous d'abord, le côté égoïste, il est là. Hein. Voilà. La chance, de toute façon, est pour vous. Vous souriez en ce mois de février, mes Verseaux. Voilà. Allez, on s'ennuie au travail, on s'accuse. On s'accuse, votre ex vous accuse au niveau du boulot. Tu m'as jeté, tu m'as balancé, tu m'as trahi. Voilà. Allez. Donc, attention, les Verseaux, vous êtes quand même surveillés dans votre travail. Hein. Donc, si vous êtes au boulot, que vous draguez en même temps sur les Snapchat, etc., attention, vous allez vous faire gauler. Eh oui, vous allez vous faire gauler par quelqu'un qui est dans le travail. Si vous travaillez surtout avec votre ex-femme ou votre femme ou votre mari ou ex-mari, ça risque d'y aller. Il y a une trahison qui arrive et va vous attaquer. Voilà. Mais vous avez gain de cause. Voilà. Bon, ben c'est pour les hommes Verseaux, ça. Ben voilà. Les messages étaient pour les hommes Verseaux. Faites attention. Ça mène une certaine joie. Alors, pour conclure ce tirage de mi-février, pour moi, attention, si vous êtes dans un déplacement, visiblement il y a des Verseaux qui entraînent une relation extra-conjugale en dehors de leur maison et à distance avec une personne pour moi aux consonances peut-être un peu étagères, style Paola, Stéphania, Ureka, voilà par exemple. On dit que effectivement vous ne pourrez pas garder votre ex en ami parce que elle sera sans arrêt derrière vos basques. À vous balancer des pics. Et là, on dit qu'il y a des hommes Verseaux où la chance sourit. Donc, mes Verseaux, prenez ce qui vous plaît sur ce mois de février. Si vous êtes célibataire, il y aura une nouvelle relation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, sur ce mois de février pour vous. Et j'ai toujours ma petite pierre minérale. Précieuse ou semi-précieuse, ça dépend où on se place. Mais c'est une pierre qui est très très belle quand elle est très bien polie. Voilà, je vois si je la porte sur moi. Non, je ne la porte pas sur moi. Mais elle se monte aussi en bijoux. Voilà, ça c'était le petit indice de fin de tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour votre signe sur le mois de mars. N'hésitez pas à aimer. À liker, à partager et sachez que j'ai un Instagram et un TikTok. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir mes amis Verseaux.